mettre un petit commentaire. On y va. Tout le monde est là? Oui, c'est bon. Je m'appelle Fabrice Payen, je suis originaire de Saint-Malo. Je vais être le premier skipper à faire la route du Rhum avec un genou prothétique. Voici à bord de Tribulation, mon bateau pour la route du Rhum. Alors Tribulation, pour information, ça désigne les épreuves que l'on rencontre dans la vie, que l'on surmonte. Et du coup, ça me correspond tout à fait. J'ai passé tous mes diplômes de marine marchande à Saint-Malo pour travailler à la plaisance professionnelle. Et j'ai eu la chance de commencer sur des beaux bateaux qui sont les bateaux d'Eric Tabarly, Penbuick 6, Penbuick 3. On voyageait à moto avec ma compagne, on était parti en Asie du Sud-Est, on avait déjà fait 10 000 km à moto et on a été percuté sur une route déserte au Rajasthan, un accident complètement improbable. Mais qui arrive souvent là-bas, et voilà. On a terminé sur le bord d'une route, et voilà, c'était le début d'une nouvelle histoire. J'étais allé voir sur internet à quoi ressemblait un genou prothétique, et je voyais plein de gars qui couraient, qui faisaient du vélo, qui faisaient tout ce que je pouvais plus faire depuis 4 ans, et voilà qu'ils le faisaient avec cet objet artificiel. Et ma décision, elle était claire dans ma tête. Le plus dur à accepter, je pense que c'est le changement d'image de soi, quoi. On est une nouvelle personne. Et voilà, il faut apprendre à composer avec cette nouvelle identité.
Après, ce qui était vexant aussi, c'était de m'entendre dire que j'étais plus apte à la navigation. Donc du coup, je me dis, ok, je vais faire la route du Rhum et on va voir si je suis plus apte à la navigation. Quand on est seul en mer, c'est un sentiment immense de liberté. Moi, j'ai fait ma qualification là au mois de juillet. Pendant 8 jours, j'étais seul et j'avais oublié à quel point je pouvais être heureux en mer. Bon, effectivement, je me déplace plus lentement qu'un skipper valide. Après, j'ai appris à trouver d'autres astuces pour me déplacer, préparer mes manœuvres, pour le faire en toute sécurité et prendre le temps de faire les choses correctement pour éviter de me retrouver dans des situations périlleuses. Tout le monde me dit alors le trampoline, comment vous faites et tout, tu vois, le trampoline, ça se passe bien, on peut s'amuser. C'est pas du tout un problème pour la prothèse. Voilà. Pas seulement un défi personnel, c'est aussi apporter un message d'espoir pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap ou qui peuvent l'être un jour. C'est prouver que le handicap n'est pas une impasse, qu'on peut faire de belles choses, peut-être même de plus belles choses que les valides. On est devenu des machines à s'adapter avec le handicap, on est sans arrêt en train d'essayer de trouver des solutions et je pense qu'il faut prendre en compte ces différences pour les intégrer au quotidien, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le milieu professionnel. Love.